Bonjour à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de DayZNetwork.fr en compagnie de Mad et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur WarZ. Alors, on retrouve encore Mad qui est blessé, Wounded, avec 91% de vie, 3 heures de jeu, 94 kills et ceci dans l'inventaire. Donc je sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps, je sais, faute au serveur qui a été complètement chronophage, ma foi. Alors, aujourd'hui, on va reprendre notre perso. Comme vous, je vais découvrir où je suis. C'est comme dans DayZ, je me souviens pas de la dernière partie. Ah merde, ça a pas marché. Allez, click join again. Ça me fait plaisir parce que... Donc mon ordinateur, j'ai un dual screen, donc deux écrans. Et sur l'écran de droite, j'ai le serveur DayZ qui tourne. Sur le serveur dédié quoi, qui ne veut pas se connecter. J'ai le serveur dédié en remote desktop, là, comment on dit ça, bureau à distance, voilà. Et je vois tout ce qui se passe et je trouve ça cool parce qu'il y a de l'animation dessus, il y a du monde et c'est super stylé. Ça me fait plaisir, c'est cool. Mais bon, enfin voilà, petite pensée du jour de Mad. Bon, ça me fonctionne cette fois-ci. Ça a l'air. Ok. Alors, où est-ce qu'on est? Il faut que je retrouve les touches. Donc ça, c'est pour faire ça. Avancer, c'est comme ça. La souris, ça a l'air de fonctionner. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens du dernier épisode, l'épisode de 15 minutes. Je sais pas pourquoi. Je pensais avoir record les 15 premières minutes. Mais après, quand j'ai voulu faire le montage, je me suis rendu compte qu'il me manquait un fichier. Et en effet, les 15 premières minutes de la vidéo n'étaient pas enregistrées. Mais bon, si j'ai pas de bêtises, j'avais commencé quelque part par ici et j'avais fait le tour et arrivé ici, c'est les vidéos que vous avez vues. Donc aujourd'hui, nous allons aller à la terrible ville de Clearview, parce que c'est ce qu'il y a de plus près. Donc, on se met en route, exactement dans cette position. Voilà, nickel. Un petit aperçu du serveur. Donc, toujours pas de mise à jour, hein, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ça fait la dernière mise à jour, elle était le 8, on doit être le 21 ou le 22 ou le 23. On est le combien? On est le 22, ok. Donc, ouais, ça fait pas mal de jours maintenant. Et donc, toujours pas de nouveautés. 35 players, ça désemplit pas. Hein. Toujours autant de joueurs sur WarZ, c'est cool. Il y a pas mal de neutrales. Hein. Il y a un bandit. Ouais, numéro 19. Keb, c'est le seul bandit, apparemment. Bon, après, hein, bien sûr... tout neutral est un bandit en soi, et toujours pas d'indicateur pour les développeurs, ou alors j'en ai pas vu. Enfin, je pense que je n'en ai pas vu, parce qu'ils sont bien là, hein, d'après ce que je lis sur le forum. Voilà. Donc, aujourd'hui, objectif, Clearview, tout d'abord, et après Clearview, le campement sécurisé. Je sais, ça aurait été plus logique d'aller au campement sécurisé pour déposer mon stuff. Alors, attendez, maintenant, il faut que je dise pas de bêtises. Quelqu'un m'a dit... qu'il était possible d'avoir les deux. Ah non. Ou alors, je sais plus. On m'a dit... normalement, tu peux mettre la batte... ah, c'est peut-être pas la batte. Je sais plus si c'était le marteau. Enfin bref. Quelqu'un a dit, c'est possible d'avoir le pistolet. Et... la batte, sachant que ça allait en arme principale. Bon, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste comme route? Pas mal de routes, mine de rien. Donc je vais quand même faire une ellipse le temps d'arriver à Clearview, et puis on se retrouve tranquillement à Clearview pour se faire défoncer la gueule. Allez, à tout de suite, et dans la bonne humeur. J'en approche de Clearview, comme vous pouvez le voir, avec son joli lac. Et pendant que j'étais en train de marcher... j'ai regardé sur le forum de WarZ pour voir si j'avais des informations à propos des mises à jour et j'allais dire visiblement, alors je vais soit dire bizarre, soit visiblement, on n'a pas d'informations là-dessus et j'ai pas remarqué de posts qui parlaient de mises à jour qui viennent pas ou trucs comme ça, donc les développeurs non plus n'ont pas fait d'annonce. Donc c'est assez étrange, mais bon, on va dire c'est comme ça. Oh, pardon. Ah, j'ai de la place. Bah bien sûr, j'en ai combien? Ah oui, c'est vrai, c'est les water. J'en ai 15. Tout va bien. Eh oh, copain, je suis là. Merci. Oh oui.
Yes, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de coup de batte. C'est la classe. Allez, viens là. Juste pour le principe. Alors, oui, l'épicerie c'est par là. Ok, ça fait du bien de revenir à Clairvaux. Enfin, ça fait du bien, non. Ah putain, voilà, j'entends un mec qui tire. Ça commence, c'est Clearview. Pourquoi je suis venu ici? En plus, j'ai plein de stuff et tout. Enfin, bref. Ouais, Clearview, j'aime bien et en même temps, je déteste. Je me fais tout le temps tuer là-bas, mais il y a tellement de stuff en même temps. Je sens que ça va être dur. Je sens que ça va faire mal. Je sens que je vais raser. Raser. Rager. Je pense que ça doit venir de l'épicerie, la grande. Putain, c'est un dur dilemme. Est-ce que je m'équipe du pistolet ou est-ce que je m'équipe de la batte? Sachant que s'il y a un zombie, je préfère ne pas tirer au pistolet. Zen, soyons zen. Putain. C'est une catastrophe. Non mais t'es sérieux quoi. J'étais de bonne humeur et tout, j'étais content de venir jouer, ça faisait tellement longtemps. Bon, ça a l'air de prendre du temps. Ellipse. Et c'est reparti. Alors. Où on en est? Tout nu. Avec 3 painkillers. Et on se situe à Clearview encore. Serveur US 14, 12h46. Tout va bien. Vous savez quoi? Attendez, je vais monter en haut de la colline pour voir. Où est-ce que je me situe exactement? Parce que je sais pas si je suis vraiment loin ou pas. Alors, putain, je me suis fait tuer en même pas 5 minutes de jeu, quoi. C'est quand même la honte. Enfin bref. Je suis triste. Si, si. Alors, ça avance. Oui, on va. Ah non, ça va, je suis tout prêt. On peut même commencer par faire les petites maisons, là. Mr. Fringe. Ok. J'étais en train de lire le chat, mais ils sont méchants là en ce moment. Ils sont méchants entre eux. Allez, on joue la première personne parce qu'on est un vrai rebelle. On est un pro gamer. On est un PGM. Et on va se faire. Non, on va tout niquer. Pour une fois. C'est vrai, j'étais parti du mauvais pied aussi. J'ai tout de suite dit, allez, on va se faire défoncer à Clearview. Mais non, il faut dire, allez, on va tout défoncer à Clearview. On va être dans la place, on va se faire respecter. De toute façon, c'est moi le roi. This game isn't what I paid for. It is a free for all shooter deathmatch. C'est vrai. Il y a Mr. Fringe qui vient de dire, en fait, ce jeu, c'est pas ce pourquoi j'ai payé. C'est un free for all, chacun pour sa peau, avec des zombies. C'est vrai, mine de rien, c'est... je crois qu'il a bien décrit le jeu. Mais bon, on espère que ça va changer. Enfin, non, on espère pas, ça va changer. C'est une alpha. Il n'y a rien encore dedans. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu déroutant. Et comme je l'ai remarqué à la vie générale, on est vite déstabilisé et on en attend beaucoup plus. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est qu'une alpha. Ah putain, ça tire déjà. Vite, vite, vite. Il y a un sac à dos déjà. Ah, ou un large en plus. Mais bon. Je sais pas si je vais avoir la possibilité de m'en servir, étant donné les coups de feu que je viens d'entendre. Des bandages. Un casque. Alors, deux petites secondes, il faut vite que je réponde à un coup de fil. Je suis à vous tout de suite. C'est reparti, alors. Donc désolé pour la petite interruption. Néanmoins nécessaire. Donc toujours à Clearview.
toujours dans la petite épicerie. Alors, pour info, le coup de fil a quand même duré assez longtemps, du coup. Je viens de voir un joueur là-bas. Du coup, j'ai changé de serveur. Ah, purée, ça commence bien. Ça commence bien. Ah merde! En plus, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire un retour sur le bureau. Je suis désolé si l'écran est noir, mais même moi là j'y vois rien du tout. Ouais. Voilà, j'ai plein de bugs là. Désolé pour tous les flashs. Putain, ça va revenir, oui. Attends, voilà, maintenant que ça revient, j'ai fait un alt-tab. Ok, ah, mon dieu. Tout ça pour ça, quoi. Bon, et ben, deuxième personnage de mort. Nickel. Bon, c'est pas tout. Ah oui, c'est vrai. J'ai remarqué que j'arrive plus à me déconnecter. Enfin, du moins, quand je suis mort, c'est juste impossible. Je suis obligé de quitter le jeu de manière brutale. Donc, le temps de faire ça, et je suis de retour avec un nouveau perso, et prêt à mourir. Et c'est reparti pour une énième vie. Alors, personnage, prêt, activé. Où est-ce qu'on est cette fois-ci? Ah, là, ok, d'accord. Bah ouais, hein. C'est vrai que. Ouais. Je meurs tout le temps, enfin. Je meurs et donc forcément je réapparais dans la même zone. Non, je vais pas aller à l'airfield, c'est trop suicidaire. Je vais plutôt aller à Super Junction. Et après, on verra peut-être pour se diriger. Pour remonter comme ça à Boulder City, Camp Splinter et remonter jusqu'au. Jusqu'au campement sécurisé, bon, bien sûr, ce sera pas pour aujourd'hui, hein. Je suis quand même pas rapide à ce point, ma foi. Allez, donc si je dis pas de bêtises, là c'est le cimetière d'avion, et juste là-bas au bout de la rue, vous voyez, c'est comment s'appelle nos Super Junction. C'est pas loin, mais enfin, ça a pas l'air loin, mais il faut quand même, à mon avis, facile 3 à 4 minutes. Vous savez quoi? Je suis en train de. Comment est-ce que je pourrais dire ça? De me désintéresser de War Z. C'est la première fois que ça me fait. Que ça me fait cet effet. J'ai déjà été dégoûté du jeu, rage quit, tout ça. Mais c'est la première fois que je me sens désintéressé de ce jeu et que j'ai pas spécialement envie de jouer. Alors ça me fait pas ça depuis le début de l'épisode, hein. Ça me le fait maintenant. Quand je me dis que je viens de me faire tuer deux fois par des mecs sans raison, alors que j'étais armé d'une pauvre batte et que j'avais rien fait. Et c'est tout le temps comme ça. C'est vrai que maintenant, quand je fais une petite rétrospective de mes épisodes, je pense pas que j'ai assez de mes mains et de mes pieds pour compter le nombre de fois où je suis mort. Et ouais. Ouais, je suis en train de me désintéresser carrément du jeu. Du coup, je sais pas si je vais continuer les vidéos sur War Z. C'est peut-être la dernière, j'en sais rien. Du moins, c'est peut-être la dernière. Pour une longue période, on va dire. Peut-être, ouais. Parce que là, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours sur DayZ. Vous l'avez pas remarqué, enfin, j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais beaucoup en jeu sur DayZ. Et je m'éclatais, vraiment, je m'éclatais. Je prenais un plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps, à démarrer le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à une bombe. Ouais, je prenais un plaisir, un grand plaisir à tout le temps aller en jeu et faire n'importe quoi. Alors que là. Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, je peux le déplacer. Ça ressemble à un drone. Allez, tu décolles. Non.
Y a pas moyen de le... Si, y a moyen de le tourner un peu. Je peux rien faire avec la touche E. Ok, donc je me suis trouvé un petit pote. Ah, je l'ai retourné. Merde. Ah bah c'est sûr qu'il va moins bien marcher tout de suite. Un petit tour dans les options. Commande. Alors WSAD, ça c'est pas nouveau. E, R, X. Ah ouais, j'ai même tellement peu d'armes que je savais même pas qu'on pouvait changer le mode de tir. Quick switch, next. Non, a priori. Y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être un skateboard volant. Comme dans Retour vers le futur. Non, sans deck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais mec, on a un ovni, je répète, on a un ovni. C'est bizarre ce truc, ça a été spawn par un dev ou quoi? Does anyone know what is some kind of green drone I can push? Je sais même pas si ça se dit comme ça en anglais. Bon allez, je vais me trimballer avec mon pote. Je vais voir s'il y a une réponse. Ouais, du coup là, WarZ. Disons que, d'autant plus que les fonctionnalités attendues mettent trop longtemps à venir en place, à se mettre en place. Elles se font trop attendre, du genre la liste des bandits les plus recherchés, les clans, les missions, enfin voilà ce qui fait un MMO, un MMO quoi. Et puis les armes, bon Dieu de bon Dieu. Enfin bref. Ouais, je me désintéresse de WarZ. Ouais, comme dit, je pense faire une pause, sincèrement. Parce que là, j'aurais préféré record un deuxième épisode de DayZ plutôt que de passer à WarZ. Et... Enfin bref. On va pas dire que c'est la fin, on va dire que c'est une pause. Parce que je suis sûr que... Enfin non, je suis sûr de rien. J'espère que ça va s'améliorer. Je sais pas jusqu'où je vais me le trimballer, hein, le petit bonhomme. Je suis en train de m'éclater avec ça. Au moins, ça rajoute un peu d'attrait au jeu parce que... Allez, sérieux, là, tu te mets dessus et tu pars. Non. Peut-être que si je le tape... Non, sans deck, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que c'est un drone ou... Ou alors c'est un sèche-cheveux. Ça peut être un sèche-cheveux. Ouais, peut-être. C'est n'importe quoi. J'ai pas envie de l'abandonner. Putain, vous avez vu comme je me fais chier. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Ouais, je pense que ça doit être un dev qui a fait spawner ce machin, c'est pas possible. Dans le chat, je sais pas si vous voyez, il y a un mec qui a marqué Amoglitch Alt F4. En gros, on peut avoir des munitions en appuyant sur Alt F4. Je vais pas le faire. Bon, on est arrivé. Merde, you. Hey, buddy. J'ai déjà perdu. Ok, bon, bah il est parti. Voilà, raison de plus. On est arrivé à. Merde. Superior Junction. Je sais même si c'est principal, primaire. Ouais, bah non, c'est supérieur. Y a pas moyen de rentrer ici, hein? Non, y a pas moyen. Donc, on va se faire cette petite maison tranquillement. Et puis pour la prochaine vidéo de WarZ, je sais pas, je sais pas encore. Ça a rien de me demander. J'aurai pas de réponse. J'aurai la réponse quand je le saurai, quand je saurai que j'ai envie de retenter un peu, et puis quand j'aurai vu des mises à jour intéressantes. Je vais quand même suivre l'actualité de WarZ, voir ce qui se passe, les mises à jour, ce qu'en disent les développeurs, tout ça. Mais pour l'instant, je vais faire une petite pause. J'ai l'impression
de perdre mon temps d'une certaine manière. Disons que je m'éclaterais plus si je passais ce temps-là sur DayZ. Ah yes, un marteau. Je me dépêche, il y a un zombie qui arrive. En plus, il a pas de fric, quoi. Nanana. Alors, il y a une épicerie là-bas, hein, si je dis pas de bêtises. Non, attends, elle est où? Ah, elle est là. Ouais, peut-être pas que je cours non plus. Non, rien ici. Ouais. Ouais. Ben voilà, Warzen n'aura pas répondu à mes attentes. Rapidement. Je vais laisser sa chance, sans chance quand même, mais... Ouais, vraiment mitigé. Et puis j'ai l'impression que la mentalité est pire que dans DayZ. Mais bon, ça c'est encore autre chose, ça a rien à voir avec le jeu en lui-même, donc on peut pas les blâmer pour ça, les... On peut pas blâmer le jeu pour ça. Vous savez comme c'est la misère quand une épicerie y a deux pauvres staffs. Et puis, voilà, ça fera peut-être plus de DayZ. Bah, vous savez. En plus, c'est triste, même quand j'ai une arme, j'ose même pas m'en servir contre les zombies tellement j'ai peu de munitions. C'est con quand même. C'est vraiment dommage. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. J'aurais quand même pris plaisir à découvrir le jeu. Ça, je peux pas dire le contraire. Découvrir un truc qui sur le papier est bien, bah, ça fait toujours plaisir. Même si on est un peu déçu. Voilà, vous voyez, je viens de trouver un Jéricho. Bon, déjà, j'ai plus de place. Bah, les bandages, hein. Et ouais, j'ai un flingue et j'ai 13 balles quoi. Et j'ai pas vu de munitions partout où j'étais. Donc c'est pas de top. Ok! Plus que 12 balles. Allez, on va se vider le chargeur sur des zombies. Manana. Et au moins c'est pas comme dans DayZ, il court en ligne droite. Dans DayZ, shooter un zombie à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué, à peine. Où es-tu maintenant? Oh yeah. Ah, c'est bien fait le retrait du pistolet quand on court avec. Sérieux, j'ai déjà aggro là. Ah. Je vais attendre qu'elle soit en ligne droite, c'est tellement plus simple. Ouh. Ah là là, c'est pathétique. Je suis pathétique. Je m'en prends à ces pauvres zombies sans défense. Ah oui, on va... Ah non. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a quelque chose. Un chargeur. Ah, Saiga, super. Ça sert à rien. De toute façon, j'ai pas l'arme qui va avec. Alors, on va voir si le zombie là va me venir quand je vais tirer sur lui. T'as eu où mon viseur? Ah, il est là. Il vient. Bon, ça, une balle dans la tête, c'est radical. Heureusement. Ah oui, il y a le bureau de poste là à visiter. Un amateur de viande fraîche. Ouais, j'ai tiré deux balles, je suis un ouf. J'ai voulu faire le cow-boy.
Je suis désolé, hein, j'arrive pas à mettre beaucoup d'entrain. Mais c'est lié à mon état d'esprit sur le jeu. Ma foi. Allez, un fusil à pompe que je puisse faire un beau final. En water, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Des bandages non plus. Certes, certes. Bon. J'ai bien instant oatmeal aussi. Voilà. Alors. Bon. Je me demande si c'est moi qui lui fais ce trou là dans l'œil. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, il n'a pas de trou dans l'œil. Ah non, c'était une partie du skin parce que lui il a pas de trou non plus. Alors il me reste 2 balles. Tiens, voir si quelque chose près du bus. Alors. Anyone here? J'étais déjà ici. Ah bah tiens, ça repop. Bouh. Caca. Juste avant qu'il me mette une claque. Ça c'est stylé. Qu'est-ce qu'on a là? Des bandages, des X, des antibiotiques. Autant dire que ça ne me sera pas utile. J'ai une dernière balle pour me tirer une balle dans la tête si jamais je vois que les choses tournent mal. Non! Non! Allez. Prends-moi ça. Ah ouais, 5 coups de zombie, on est mort. Voilà. Bon, War Z, c'est fini. Ça reprendra peut-être un jour. Je garde le jeu sous la main, je garde le forum sous la main. Et je verrai bien ce qui se passe là-dedans. Voilà. Allez, ciao ciao les amis.